tous, on se retrouve aujourd'hui sur la guerre de Rome, épisode 4. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté là avec ces deux armées ici qui arrivaient en haut et notre petite armée ici en train de se constituer. On n'avait plus d'argent et on allait passer notre tour. Voilà. Donc depuis le dernier tournage, il s'est passé quelques heures, mais pas plusieurs jours, donc je suis toujours juste avant de partir. Ok. Néopolis, ok, ils sont là. Est-ce que je peux récupérer cette... Non, je peux pas récupérer cette armée. En truc, et s'ils auront... De toute façon, ils ont de la cavalerie, mais ils ont pas. Ils ont pas de trucs super super puissants. Est-ce que j'ai des murailles? Là est tout l'important, sinon de toute façon, je devrais pouvoir réussir. D'après ce que je vois, ils ont pas de. Allez, une flotte de garnison 120, les... allez, les défenseurs de Tyrène 240. Donc, heureusement, ma flotte est là. Que pour le moment, je vais laisser ici au cas où on est attaché par l'autre côté. Donc, ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut pas savoir, c'est où ils vont se déployer. Ah si. Ouais, mais on sait pas s'il va les laisser là-bas. Donc, je préfère qu'on... De toute façon, c'est une petite armée, sachant que la deuxième reste de nous arriver dessus rapidement après. Donc il va falloir économiser nos forces. Ah mince. Ça c'est une petite. Donc on va mettre ça à côté. Et une grosse troupe d'archers. Juste une question. Juste où tire-t-il? Ici. Ok, là il tire juste ici. Là on pourrait essayer de placer... Ici, une petite troupe, et ici aussi. Voilà, pardon. Voilà, ici, là, on va plutôt placer par là deux troupes assez grosses de... de gros bons hommes et par là-bas envoyer presque toutes nos troupes. Pour les dépasser sur l'autre côté. Et ici aussi. Que me reste-t-il ici? Cette petite troupe, on va plutôt mettre ici pour aller aider les archers au cas où. Une troupe ici qui passera avant eux pour plutôt se faire défoncer. Là, j'aimerais bien avoir une grosse troupe d'archers derrière. Et en dernier... Cette petite troupe qu'on va aussi envoyer par là. Assez nombreuse. Allez, on débute le combat. Allez, 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 les gens au pas de course, au pas de course. Ce qu'il va falloir, c'est les déborder assez rapidement. Vous pouviez pas passer au milieu des bâtiments, vous. Petite pause rapide pour faire déplacer nos troupes qui étaient là.
ici de toute urgence. Et ici, on va essayer de déplacer les bateaux le plus loin de la population. Alors, en toute logique, on va essayer de faire que celui-ci attaque lui et que celui-ci attaque lui. On va retourner au milieu et aller voir ce qui se passe. Toi, tu vas aller attaquer eux de toute urgence. Toi, en toute logique, faudrait que tu attaches eux. Et toi, tu vas essayer de te déplacer pour aller attacher eux. Toi, dès qu'ils sont dans ton périmètre. Ok, on met sur pause rapidement le temps d'aller au navire. Bon, malheureusement, ils ont quand même un peu beaucoup de force. Est-ce qu'ils ont beaucoup de force à bord? Non, si j'arrive à me débrouiller à terre, ça devrait aller. On va mettre en ralenti le temps de voie. Ok, là, pause rapidement. Le temps de voir ce qui va se passer. Et eux, faudrait qu'ils attaquent la cavalerie rapidement. Eux, ils vont essayer de passer par là. Et ces trois troupes qui sont là vont essayer de passer là. Allez, on remet en marche. Et on essaye de voir ce que ça donne. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Vous réussissiez là, vous. Il est où mon général en même temps? Ok, il est là. Allez, allez, allez. Non, 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 en fait, tire là vite. Oh, pas de course. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on va se faire défoncer quand ils vont arriver, donc vous, grouillez-vous. Faudrait que mes archers tiennent un peu. Je crois qu'on s'est fait défoncer nos bateaux. Alors vraiment, tu arrêtes de se faire défoncer nos bateaux. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Si on met en avance rapide, puis en... notre Dutch. Ok, alors toi. Donc toi tu attaques aussi. Allez, allez, allez.
Non, tu ne me déborderas pas. Mais t'es pas sérieux. On va se faire défoncer cette ville. Allez, grouille, où en sont les bateaux à l'arrière? On va passer en accéléré parce que de toute façon on va se faire défoncer, hein. Neuf cent vingt, perdu 915, perdu 289, tué 237. Ouais, ils avaient des alliés. Malheureusement. Et ils ont pris ma ville. Non mais pas sérieux, t'es en train de me défoncer là. On est en train de se faire défoncer complètement. Donc là, je vais aller recruter des hommes en bas et les faire attacher la deuxième armée là-haut. Et faire revenir mon armée de fil. Alors, recrute des troupes, toi. Ok, il peut pas se déplacer pendant le recrutement, mais au moins il protégera cette ville. Pendant que lui va recruter d'autres hommes. Voilà. Et à côté, on va rechercher une nouvelle technologie, réforme d'entraînement. Taser nos auxiliaires. C'est un peu mieux ça. Et ça, ça fait quoi? Oh, c'est ma diplomatie, faut que je demande un. C'est eux là. Paiement. Oh, tu y veux pas. Attendez, on va peut-être essayer de faire un peu de diplomatie. Qui est bien ami avec nous? Ils sont assez proches. Ah, genre, super sympa, alliance défensive. C'est ça, c'est ça.
Bon bah, Rome est assez loin. Est-ce que je peux le faire ce... Salut, c'est moi! Je viens te défoncer la gueule. On va essayer de le laisser approcher. Flotte en garnison 20, armée de garnison 375. C'est quoi ce truc? Ok. Alors, toi. Tu vas te mettre ici. Avec 3 troupes. Un truc de lancier. Et un truc de chien. Et une dernière troupe en renfort au cas où les lanciers aient un peu de mal. Et ici, on va placer le plus gros de nos forces. Ici. 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 Oui, toi, tu vas être ma petite arme secrète, on va déployer comme ça. Pour le moment, on va un peu les laisser s'approcher, surtout eux, là. Les petits méchants qui sont dans leur bateau. On va bien déployer. Notre archer rapidement. De toute façon, on verra ici si les troupes essayent d'approcher. Voilà. Attention. YOLO! Salut, vous êtes des archers vraiment? Ben, je pense que vous allez bientôt mourir. Salut! Tout à l'heure, vous avez défoncé mes potes, vous savez. Salut, j'arrive. Roger, maintenant. Toi, tu te remets ici en position. Aussi. Et en dernier, toi aussi. Là-bas, on peut voir qu'ils sont en train d'avancer vers nous. On peut même voir qu'ils essayent de nous attirer avec leur cavalerie. Mais que cela ne marche absolument pas. Quand nos troupes ici seront revenues en position, on ira.
On va pour le moment faire avancer ici une des troupes. Pour la faire bien déplacer. Donc oui, hein, je redis comme tout à l'heure, si vous avez quelques petits sons qui passent à travers le micro, c'est juste tout le monde est en train de bouger chez moi parce que justement je pars en vacances. Demain, à l'heure du tour, nage et... Donc voilà, c'est... Un peu tout le monde est en train de passer partout. J'ai ça, j'y comprends absolument rien au triplet de scie et tout. Ce qui est sûr, c'est que cette troupe va se déplacer par là. Et cette troupe par là. Non, pas en sprint. Vous. Il est où le bouton de halt? Pause. Halt. On va mettre en... Ah ouais, il y a des soldats dessus. On va poser ce qu'on a. Attaque en mêlée, déjà des armes et résistance à la fatigue. Ok. Donc, eux, vu qu'il y a une grosse partie des troupes, maintenant on les met en troupes beaucoup plus fortes. Salut! Bon, même s'ils en ont défoncé beaucoup, là, vous. Allez, 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 vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Vous, au triple galop, vous allez dans la ville. Vous en faites pas, je vais réussir à tenir. Vous, tire sur lui. Et toi, mets-toi là assez vite. Qu'est-ce qu'il leur arrive? Ils ont beaucoup de force, hein, quand même. Non, non. Arrêtez de bouger, ils s'enfuient, ils s'enfuient. Allez, allez, allez. Vous tous là. Oh, pas de course pour arriver ici. Non. Pause. Alors, les archers en tout cas vont aller. Ici. Après. La troupe qui est là-bas va aller ici. Et en dernier, les chiens qui sont ici vont aller ici. Puis toutes celles-ci vont aller ici. On va se mettre en ralenti pour bien voir. Ce qui va se passer, et même en normal. Ok, on a 54 minutes hein, de toute façon pour faire la partie, donc ça, enfin pour faire la bataille, mais de toute façon après, même si c'est en pleine bataille. Juste après, si on est en plein milieu,
Et voilà. Donc, cette troupe arrive là. On va la faire arrêter là, par contre, pour qu'elle se fasse défoncer non plus. Plutôt là, ces petites troupes ici. Faut pas non plus qu'elles avancent trop. Alors. Que font-ils là? On va les laisser encore un peu avancer. Jo. Et ces trois troupes, maintenant, vous vous avancez et vous rushez. Mise en pause pour aller assez vite. Toi, tu iras sur elle. Et toi, tu vas aller sur elle. Après, toi, rapidement, tu attaches elle. Toi, elle. Toi. Tu vas te mettre ici. Et les chiens. On les attacher. Ici. Cette troupe va rapidement attacher ici. Et cette troupe ici. Allez. Baston, j'arrive. Alors, tu dis quoi là? Plutôt eux pour eux. Allez. Allez, vous tirez sur eux, et toi, tu attaques eux. Faut absolument pas que je me fasse déborder. Non, vraiment. Oui, mais ça, c'est pas super grave, tu vois. Mon général, il est là-bas, il a rien à craindre. Allez. Allez, c'est bon là. On y est bien. Salut, on est derrière vous. Ça va? Ils sont en train de se faire défoncer, eux. Je ne comprends pas ce qui leur arrive. Attention, salut! Et voilà. Mais alors là. Ah, d'accord, j'ai fait terminer la bataille et on a terminé. Déployé 1200, perdre 87. J'ai perdu 87 hommes. Ils en ont déployé 962, ils en ont perdu 807. J'en ai tué 807, ils m'en ont tué 85. J'en ai perdu 87. Où sont passés les deux restants? On n'en sait rien. Et voilà, je l'ai transpercé de ma lame. Il aurait pas dû jouer au plus malin avec moi. Ne jamais, jamais essayer de prendre une de mes villes. Occupé. C'était ma ville de toute façon avant. Non, voilà. Ajouter au prochain tour avec cette troupe, on va prendre cette ville, comme ça on va leur apprendre ce que c'est le respect. Et ce bateau, on va le pourchasser avec notre bateau. Allez. Et toi, au prochain tour, on te fera toucher elle. C'est le tchel? Jalus Vispanus Servus. Est-ce que c'est lui? Guerrier, une armée de serfs, plus un de zèle, commandant. Le tour à jouer libre, plus un d'autorité.
Il a beaucoup d'autorité, il a pas assez de stratège. Voilà, 4 de 5-4-4, ce général est assez bien. Et là, c'est bon normalement. Faction, châssis, espace dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer là-haut? Lui, il va sûrement essayer d'attaquer notre deuxième ville. On va le défoncer de toute façon au tour suivant. Donc bon, hein. Il devrait pas vraiment le faire s'il veut pas toucher. Non, ok. Il y a des troupes qui viennent. Il y a beaucoup de troupes qui viennent chez moi, par contre. Ok. Il s'est juste déplacé. Et ça fait déjà 30 minutes du tout à la fin de ce tour. On va se dire à la prochaine. Allez. Défenseur de Rome. Rome, notre cité éternelle, est encerclée par les forces d'hommes inférieurs. Attachez-les avant qu'ils ne puissent frapper. Mars vous protégera. Battez au combat l'armée suivante. Ok. Préa, j'ai du truc bidule machin truc. Les champions de Litnus. Les serpents de truc. Ok, bah lui, on le tuera au prochain tour. Allez. Bye! Enfin, au prochain épisode. Allez, bye!